Bon la famille, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que votre Mifa se porte bien. Bon, vous avez pu voir un petit peu sur Instagram, Snapchat, ça tournait surtout sur TikTok, Nono qui dit que je suis recherché par la CRIM hier. J'ai crevé mes pneus hier pour ceux qui ont suivi la story. J'avais que ça! Que ça dans mon espace commentaire, on était 800! T'es recherché par la CRIM, 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 mais où ai-je? What? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je me suis rendu compte. Nono, il est venu me voir. Il m'a dit c'est bon frère, on arrête de s'embrouiller, nanani, il a fait le skin. Je dis frère, vas-y, t'as vu, moi j'ai fait 3 vidéos sur toi, 8 TikTok sur toi. Frère, si t'as envie d'arrêter la petite guéguerre à 2 balles, vas-y Salem, pars de ton côté, moi je pars du mien. Et il n'a pas pu s'empêcher de refaire la merde et d'aller sur le live à Balti et dire à Balti, tu sais Balti, je vais te lâcher des scrupules parce que vraiment je t'aime bien. Moi je t'aime bien. Je t'aime bien Balti. Du coup je lâchais des scrupules de ouf. Game is 13, il est recherché par la CRIM. Pas marre d'inventer des rumeurs comme ça toi. Au calme. Bientôt il va te dire Game Express, il s'est battu avec Tupac frère. T'as pas marre de mentir. Alors la famille, je vais pas rentrer dans les détails de la famille de Nono, mais je me suis vraiment renseigné sur la personne à Marseille. Donc avec tout le respect que j'ai pour la maman, je connais un peu sa maman. On m'a dit c'était qui sa soeur et tout. Et vas-y, j'ai même pas envie de manquer de respect, j'ai même pas envie de rentrer dans les détails là, j'aime pas. Vous voyez? Donc je vais rien dire, je vais rien faire. Mais Nono, je sais pourquoi t'es comme ça frère dans ta tête. Je sais pourquoi t'es à moitié Gaulmont. Parce que les gens ils croient que t'es juste un mec drôle ou... Ils savent pas que t'es vraiment juste un Gaulmont. Tu vois. Et c'est pour ça que je peux rien faire. Personne peut te taper. Parce qu'avec Arak Marid, t'es déjà malade frère. T'invente des rumeurs de ouf frère. Mais toi tu vas dire que je vais monter sur la lune. T'es un ouf toi, t'invente des rumeurs comme ça au calme. Oh le mec, il était sur live à Balti. Il a inventé une rumeur en acapella. Hamdou, sans instru. Rien. Il a vendu des mensonges au calme. En plus il dit à Balti, tu sais, tu veux que je te raconte un truc parce que vraiment, tu sais, je t'aime bien. Mais quel mytho. Recherché par la CRIM, bien sûr, on a braqué beaucoup de banques avec la CRIM. Bah ouais, on a braqué une banque, on a fait des feats. Hey, je suis le mec le plus simple à trouver, frère. Je suis le mec le plus simple à trouver. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je suis à Basic Fit, comboire. Tout Grenoble, c'est où Game Express s'entraîne. Genre, je suis le mec le plus facile à trouver. Genre, c'est simple. Il n'y a que le dimanche, je vais au foot. Ou je fais d'autres sports. Mais quant aux autres jours de la semaine, l'après-midi, je suis à Basic Fit. Avant, j'étais à Fitness Park Mélan. Maintenant, vu qu'il a sa fille, il a le truc duo. On va ensemble à Basic Fit. Basic Fit, qu'on boit tous les jours. Sauf le dimanche, l'après-midi, tu me trouves là-bas. Je suis vraiment pas le mec le plus dur à trouver. Mais vraiment pas. Mais voilà. En plus, j'entends Balti qui va lui dire. Balti lui a dit c'est vrai la bagarre avec Momo ou pas? Parce que je pense que Momo, quand il va sortir, il va t'enculer. Balti, j'espère que tu seras là pour regarder le combat. Un truc bien pro, bien sûr, avec des gants. Il va se faire ramège. Il va se faire salir, lui. Va se faire salir. Bref, la famille, je ne suis pas recherché par la CRIM. La CRIM, c'est un grand garçon, il me semble. Je pense que la CRIM, il s'en bat les couilles de la France aussi. Il est loin, le frérot. Son bruit avec GameX13, frère. Son bruit avec GameX13. Genre, pourquoi? Ah, Balti, non, j'ai entendu peut-être, il a dit ouais, TikTok ou non, 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 Balti. Je vais te faire qu'un truc. Je m'en prends jamais à qui que ce soit pour rien. Si je m'en serais pris un jour à la CRIM qui m'a rien fait, c'est qu'il y aurait une bonne raison et qu'il m'a fait quelque chose. Sinon, c'est pas moi qui va aller chercher la CRIM ou Soul King ou telle personne. Je m'en fous, frère. Voilà, j'ai pas que ça à faire. On a passé l'âge. Je vais pas aller chercher des personnes. Je vais pas aller chercher des grandes personnes qui ratent d'aime, qui font leur boulot et qui cassent les couilles à personne qui sont dans leur coin. Je vais pas chercher les gens. Donc, je m'en bats les couilles. Et si la CRIM, il aurait eu un problème, il m'aurait envoyé un de ses gars en privé pour parler avec moi. Il m'aurait dit, ouais, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Bref, il m'aurait parlé du blême. Bref. Mais je sais pas ce qu'il a inventé là, l'autre fou là. Oh, il invente des rumeurs de. Oh, il invente des rumeurs venues de l'espace. Voilà. Game X13 en embrouille avec la CRIM. Oh, hier, rien que ça me disait ça. Je me dis, mais les gens, vous êtes des ouf ou quoi? Comment ça, je suis en embrouille avec la CRIM? Non, je suis dit, bien, la CRIM, il a parlé de moi. Qu'est-ce qu'il a raconté? Je vais voir sur Insta, Snapchat. Hier, j'avais cru mon pneu en plus pour ceux qui ont suivi. Et je me dis, Starfall, qu'est-ce qu'il raconte les gens? Je vais voir sur son Snap, sur son Insta. Bah, je vois rien, tu sais. Je vois pas d'un truc qui m'a clashé et tout. Je me dis, mais même, qu'est-ce qu'il a la CRIM? C'est quoi? Bon, bref. C'est juste un petit nono qui a inventé encore une connerie.
une connerie aussi grosse que cette voiture. Bon, en tout cas, voilà, Mohib, voilà, j'ai même pas envie d'en prendre à lui, la famille tellement. Si vous saviez qui était Nono, voilà, si vous saviez qui était Nono, si un jour, juste pour rigoler comme ça, je vous ramène dans son quartier à Marseille, vous allez savoir qui est Nono en réalité. Et voilà, vous allez savoir que c'est un petit peu en fait. Voilà, c'est un petit peu la famille. Voilà, c'est un petit peu. Et wallah el adem, je vous le jure, j'ai jamais vu quelqu'un de autant détesté dans sa ville humainement. Je te parle pas de internet par, enfin, internetement parlant. C'est pas français ce que je dis, mais t'as compris. Il y a plein de gens qui détestent Balti, qui détestent la crime, qui détestent Gaming 13 sur internet. Bon, quand ils nous voient dans la vraie vie, c'est pas la même chose. Salam, salam, ça va, alhamdoulilah frérot, alhamdoulilah, salam. Par contre, lui, qu'est-ce qu'il y a déjà, ils ont envie de le deg-deg, frère. Qu'est-ce qu'il y a déjà, ils ont envie de le deg-deg dans la vraie vie de tous les jours. Et franchement, un T4 juste pour là, puisqu'il est en train de s'amuser. Mais je pense qu'un jour, là, je vais vous ramener là où il a grandi, on va bien rigoler. Parce que j'en ai beaucoup appris sur lui. Sonic m'en a beaucoup, beaucoup dit sur lui. Sonic, c'est un de ses potes avec qui il a traîné à Marseille. Il m'en a beaucoup, beaucoup dit sur lui. Je le connais bien le gars. Je le connais bien. Bref, la famille Mohim, je n'ai pas d'embrouille avec la crime. Parce que bah, je ne traîne pas avec la crime. Je ne parle pas avec la crime. Parce que pour avoir une embrouille avec quelqu'un, c'est déjà la première base de l'embrouille. C'est qu'il faut soit parler avec la personne, soit qu'il y a eu un problème ou un malentendu. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Il a juste inventé une rumeur sur Live à Balti pour se donner un petit peu d'importance. C'est tout. Voilà. Et vraiment, Balti, ta question là, qui t'a posée tout à l'heure, moi en fait, j'ai pas envie que Nono et mon frère se battent comme des chiens. C'est pas le but, frère. C'est pas le but. C'est pas le but qu'ils se battent comme des chiens dans la rue, tout ça, c'est les clochards, ça. Non. Nous aujourd'hui, on est en 2023. Hebo, le spectacle. On veut du spectacle. Tu iras dans un octogone avec Momo, dans le truc carré, et tu iras régler ton compte. Il va te deg-deg. Voilà, il va te chal. Il va te chal. Il va te donner la fessée du siècle. Pour avoir menti sur lui, pour avoir dit que tu l'avais frappé parce que mon frère était en prison, t'as profité du fait que ton ancien pote soit au Habs pour dire que tu l'as frappé. T'es un lâche, toi. Attends, là, t'es Judas, toi. Judas en personne. Même Judas, c'est un enfant de cœur à côté de toi. Heureusement, toi. Toi, t'es le pire, toi. Mohim. Vieux mec, t'as lâché ton pote Sonic, tu l'as foutu à la rue à Paris. Toi, t'as un fils de lâche, j'en le savent pas. Bref, la famille, prenez soin de vous, Amifa. On se tient au jeu pour les prochaines vidéos. Et demain, après-demain, je vous sors une vidéo qui était prévue de base. Boussa, salam l'équipe. Et je suis pas recherché par la crime. Salam. Et l'histoire avec Momo là, tu penses que ça va donner pour de vrai ou c'est juste du pipo? Momo, non, c'est vraiment. Non, mais genre en mode. Parce que moi j'ai pas vu. J'ai vu genre en mode quand il va sortir. Là, il est sorti de prison. Non, pas encore. Quand il va sortir de prison, vous allez vraiment vous battre? Mais il veut se rebattre quand il sort de prison. Genre. Gros, c'est un coup, il sort de prison, il est grave stock, il va te baiser. Ah, parce que là, ça fait combien de temps il est en prison? 2 ans? Ça fait un moment, il est au placard là. Moi, je l'imagine en train de faire des pompes, des jeeps. Tête est tout fin, il va ressortir, il va être cassé en 6. Parce que moi au début je me suis dit ah, c'est fake. Non, c'est réel. Ah ouais? Et Gaming 13, tu penses que tu le bats? Honnêtement. Franchement, je le bats. Là, il va à la salle. Il va à la salle, hein? Moi, je vais à la salle, j'ai quelques compétences en Muay Thai. En moins Thai. Moi, je l'ai pas. Miao Thai. Ok. Moi, je sais pas, Gaming 13, je sais pas ce qu'il vaut vraiment, mais la dernière fois que j'ai vu une prestation de combat. Abdel, arrête de tuer, tu vas me tuer, tu vas me tuer. Je lâche mes skills de ouf là, je suis en stream. Hein? Parce que je t'aime trop. Ouais. Je lâche mes skills de ouf. Vas-y, approche-toi. Je lâche mes skills de ouf là, je suis en stream. Hein? Parce que je t'aime trop. Ouais. Je lâche mes skills de ouf. Vas-y, approche-toi. Mix 13, il est recherché par la meucrie. Par la crime. Pourquoi? Il est sur le ouf. Ouais. Je lâche une bombe, il veut taille. Mais c'est un faux là. Il a juré par Allah, c'est vrai en plus. Eh, c'est un baiser. Apparemment, Game 16, il est recherché par la crime. On parle bien de la crime qui fait... Papa. C'est quand il a dit la meucrie, c'est... Ah ouais? Mais pourquoi, à votre avis, il serait recherché par Game 13? Mais je comprends pas le rapport. Pourquoi il est recherché par Game 13? Après, il est sur TikTok, peut-être qu'il a dit une dinguerie. Je sais même pas. Hein. Peut-être c'est Game 13 qui cherche la crime. Ah ouais, ma gueule, tu sais pas, Game 13, c'est... Je te rappelle, c'est qui Game 13? Ah, gros. Game 13, c'est... Je te rappelle, c'est qui Game 13? Ah, gros.